Salut mes gangsters, comment ça va? Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver. Petite semaine un peu hétérogène, un peu compliquée. Hein. On a Gala qui fait moins 14 suite à toutes les affaires qu'il y a eu hein, avec genre de scam et tout. Je vous dis, faites très attention, sortez de Gala tant que tout ça n'est pas terminé. On a Render qui nous fait un petit 10% sympa, hein, mais bon, on s'en fiche. Nous, on n'est pas là pour voir les performants de la semaine. On est là pour le long terme et surtout pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde avec les cryptos, qu'est-ce qui est en train de changer pour les différents pays, et il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On va voir ça un peu plus en détail. C'est Sper qui nous fait un petit moins 5,8%. Salia qui me demandait si j'avais oublié Casper. Bien sûr que non, Casper, mon petit chouchou, je l'oublierai pas du tout, mais il se passe beaucoup de choses, et je pense qu'il faut qu'on parle de pas mal de choses différentes, en plus pour les nouveaux et tout, mais on va revenir un peu sur Casper dans la vidéo. En tout cas, nous, on perd pas plus de temps, on est parti. Déjà, l'info désastre de l'échange turc Todex. Vous avez vu la dernière fois, on a parlé un peu de ça. On a dit oui, vous avez vu au Venezuela, en Turquie, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le Bitcoin et qui veulent un peu contrer l'inflation. Désastreux ce qu'il y a dans ces pays, hein, parce que vous prenez des 200 plus 200% par an sur votre argent que vous gagnez parce que vous travaillez 40 heures par semaine, vous devez nourrir votre famille. En fait, les gens ils meurent. Les gens ils meurent tout simplement. Bon, c'est pas non plus le chaos, hein. Les gens ils arrivent à vivre, hein. C'est des gens, il y a pas besoin, on n'a pas besoin vraiment d'argent pour vivre, on va dire. Mais en fait, ça vous détruit un pays. Ça vous détruit un pays. Et du coup, ils se sont tournés vers le Bitcoin, ça faisait plaisir à voir. Mais bien sûr, partout, les gens ils vont se tourner vers le Bitcoin, ils vont se tourner vers des shitcoins, vers des projets vraiment éclatés au sol qui vont juste les scam. Et donc, c'est ce qui s'est passé là il y a quelques temps pour l'échange Todex. Et donc, ils viennent de l'attraper et ils lui ont mis 11 200 ans de prison. Mais franchement, j'ai envie de dire, bien fait, hein, franchement. C'est dommage de voir ça. Hein. Bien sûr, la crypto-monnaie peut servir vraiment de tremplin pour des populations qui sont à risque, on va dire, dans des pays qui ont une économie à risque. Mais bien sûr, il y a tout le lot de requins et de pirates qui vont avec. C'est pour ça, en fait, que ce qu'il nous faut, c'est pas forcément une centralisation, mais c'est une éducation. Puisque aujourd'hui, c'est un peu un truc obscur, la crypto. Personne ne comprend trop ce que c'est un truc d'arnaque. Nanana. Les gens, soit ils sont en mode c'est fou l'arnaque, soit ils sont en mode ah ouais, on fonce, puisque tout le monde dit que c'est fou l'arnaque. Mais bon, on voit bien qu'il y en a qui se protègent avec ça. Et du coup, ils se font avoir. Donc, vivement qu'il y ait des petits mécanismes de pédagogie, hein, qu'on puisse éduquer les gens. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que ça avance, puisque le mec, il s'est mangé une tartasse, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour la Turquie. Franchement, si vous êtes en galère, allez sur du BTC, hein, vous cassez pas la tête. Si vous voulez vous protéger de l'inflation, allez sur du BTC. Si vous voulez spéculer comme des troufions comme nous, allez sur du Casper, allez sur du Illuvium, du Chainlink, que sais-je. Mais là, la seule vraie crypto-monnaie qui a de la valeur, politiquement, géopolitiquement, mondiale, c'est le BTC. Même Ethereum, c'est bien, mais c'est le BTC, surtout l'histoire, Satoshi Nakamoto et tout, c'est exceptionnel, voilà. Donc, si vous êtes en galère, allez sur du BTC. Mais en tout cas, voilà, la Turquie, on espère qu'ils vont s'en sortir. D'ailleurs, en parlant de manière d'éduquer les gens, le pari corsé de ce bitcoiner colombien, donc en Colombie, il y a un mec passionné de café, qui a des cafés, hein, il dit que le café, c'est le meilleur café du monde, le colombien, c'est le meilleur café du monde. Et en fait, chez lui, c'est le Lightning Coffee. Il est sur Lightning Network, donc je rappelle Lightning Network qui est une L2 de Bitcoin, en fait, hein, comme les roll-up, comme Zcashing, Arbitrum pour Ethereum, BTC à Lightning. Et là-bas, on paye que en BTC. Et surtout, il y en a des magasins où vous allez payer, vous pouvez payer en BTC. Mais là, vous pouvez juste pas payer en peso. Vous pouvez pas payer en fiat, en fait. Pas en monnaie fiduciaire, seulement en BTC. Et je trouve que c'est une dinguerie. Donc, petit café à Medellin. Je sais pas s'il y en a qui sont à Medellin en ce moment. Eh ben, allez goûter le Lightning Coffee. Franchement, ça me donne envie d'aller en Colombie rien que pour ça, j'ai envie de dire. Parce que franchement, c'est super. Il dit quoi? Nous avons le meilleur café du monde et je veux que ma marque de café fasse connaître le Bitcoin, afin que d'autres entreprises commencent également à le recevoir. Ben ça tue, ça tue. Là, il a fait ça justement, voilà, inflation, parce que son café il coûtait de plus en plus cher aux contribuables, on va dire, aux tout venants, puisque les gens qui se mettent bien, c'est toujours les mêmes dans les pays. On a parlé de l'Afrique la dernière fois, de la France, c'est toujours les mêmes qui se mettent bien. Voilà. Donc, il a vu voilà, que le peso, les fluctuations imprévisibles du peso, c'était pas supportable. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un pays où en fait vous dites moi je veux du BTC parce que mon argent, l'argent de mon pays, il fluctue trop. C'est une dinguerie, non, le gang, je comprends pas. Je comprends pas. Et franchement, vous sentez pas trop à l'abri, hein, on a vu ce que ça pouvait donner. Aujourd'hui, on se retrouve dans une passe assez particulière
d'un point de vue géopolitique en France, aux États-Unis. Hein. Vous connaissez les BRICS, tout ça, on va en parler. En tout cas, ça fait plaisir de voir des initiatives comme ça. Visa confirme son gros béguin pour la blockchain. On passe vite fait sur cette info parce que nous, bah, on sait que Visa, ils sont toujours dans le game. Ils avaient commencé à sortir des pubs à la télé pour la crypto et tout. C'était juste bon. Après, il y a eu FTX, ils ont dit ouh là, on va attendre un peu plus tard. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir à voir. Enfin, plaisir, je sais pas parce que Visa, je connais pas trop leur parcours et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est des vendus comme les autres ou est-ce que c'est juste une solution de paiement? Sympa, en vrai, je sais pas. Dites-moi, vous, le gang, vous avez des infos sur Visa? Envoyez ça en commentaire, dites-moi s'ils sont un peu propres parce que ici, vous savez, le gang, on est là pour la thune. On est là pour la thune, mais on a une philosophie. On fait pas n'importe quoi non plus. On veut un meilleur monde. Visa, je sais pas trop. Voilà, je vous ai dit la dernière fois, tout ce qui est Robinhood, BlackRock, Grayscale, etc. Bon, c'est sympa pour le court terme, ça nous fait faire un peu d'argent, mais à long terme, il va falloir faire très attention si on veut pas que ben, la blockchain ça devienne poubelle comme les internets aujourd'hui. Hein, on va pas se le cacher. Internet, c'était une idée incroyable. Voilà, le transfert d'informations entre chacun, nanana, instantané et tout, ça donnait du bon. On est là, on peut discuter ensemble, mais ça donnait du mauvais. On se fait arnaquer tous les jours. Donc dites-moi si Visa est dans le même délire. Justement, d'ailleurs, Bitcoin et JP Morgan met le cap sur la crypto. Voilà, ben, JP Morgan, ils ont passé leur vie à cracher sur la crypto, à essayer de manger tout le monde. Eux, c'est vraiment des requins, ils nous ont bousillé notre vie, notre planète. Et aujourd'hui, voilà, ils retournent leur veste et voilà, la crypto c'est trop bien et tout. Alors que la crypto, elle a été créée exclusivement, le BTC, il a été créé pour les faire tomber eux. Donc franchement, n'oubliez jamais ça. Mais voilà, je vais pas la jouer épique non plus, mais bon, il y a une bataille qui va se jouer en fait. Une bataille qui va se jouer. On peut pas les laisser prendre la blockchain comme ils ont pris Internet. Donc franchement, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, JP Morgan. En plus, si vous achetez, ils font un ETF, BlackRock, JP Morgan, vous achetez un ETF, c'est pas votre Bitcoin, hein. C'est pas votre Bitcoin. Donc ça n'a aucun intérêt. En fait, ça va apporter des gens sur le marché, mais ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est juste BlackRock ou JP Morgan qui a les Bitcoins. Les BRICS invitent l'Indonésie qui arrive dans les BRICS, donc BRIC plus. Aussi, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça, hein. Les BRICS là qui sont en train de gonfler pour faire un petit peu concurrence avec l'OTAN, etc. Même l'ONU, en fait, on sait qu'aujourd'hui l'ONU n'est pas vraiment décentralisée, j'allais dire. Donc voilà, moi je suis content de voir ce que ça peut donner, voir ce que ça peut donner, un peu curieux et content. Et voilà, en Indonésie, force à l'Indonésie, on sait que c'est une terre où ils adoptent beaucoup la crypto et beaucoup de discussions. Donc on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, l'Inde change de nom. Truc de fou. Ils deviennent Bharat. Je sais pas si je le dis bien, Bharat ou un truc comme ça. Eh bien, excellent, puisque pour eux, India, c'est un héritage eh bien, colonial, du coup, de l'Angleterre. Hein, c'était voilà, vestige colonial britannique. Donc maintenant, ils se disent, voilà, on va faire un nom ancestral, on va s'appeler Bharat. Et on sait que l'Inde, ils sont méga chauds sur les cryptos. Le Premier ministre, il avait dit que c'était une dinguerie, que c'était le futur, etc. Donc voilà, l'équilibre des forces est en train de changer sur la planète en plus. Et c'est ça qui peut faire que il peut y avoir des gros mouvements, des trucs incroyables où on va pouvoir se blinder tout en amenant un monde plus juste, ce serait vraiment cool. Je sais que j'ai l'impression d'être le seul sur le YouTube game français à parler de ça, de parler comme ça. Mais il n'y a pas que la thune en fait. Notre richesse, elle n'est pas que dans la thune. Si vous faites x10 sur votre capital, mais que vous arrivez dans un pays où tout coûte 10 fois plus cher. En fait, 10 fois plus cher, et où votre voisin il se fait arnaquer, les gens ils meurent, enfin, ouais, ils meurent de faim, oui, si, les gens ils meurent, vous serez heureux en fait. Parce que là, nous on est là pour la thune, on est là pour l'argent, c'est vrai. Mais au fond, on s'en fout de l'argent, ce qu'on veut. L'argent c'est pour. On veut acheter des trucs, on veut acheter des logements, on veut mettre bien notre famille, nos amis, on veut être plus heureux en fait. Donc voilà, je vais pas vous faire non plus développement personnel, chalag et tout. Mais en vrai, l'argent c'est un moyen pour avoir une vie plus sympa. Donc si en faisant de l'argent on bousille tout ce qui est à côté, bah à la fin on va se retrouver à juste avoir perdu du temps dans une voilà, on aura on aura des feuilles en or pour pleurer, mais bon, là ce sera pas ouf, quoi. Donc vraiment je suis content de voir ce qui se passe. Vous dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Est-ce que je dis n'importe quoi ou voilà, j'essaye un peu aussi d'un peu plus parler de ça parce que ça me tient à cœur en fait. Hein, je sais pas si je fais n'importe quoi ou quoi, mais je sais qu'il n'y a pas de youtubeur qui le fait en parlant de crypto, mais je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que Saléa quand même dit, est-ce que t'as oublié Casper? Bien sûr que non, j'ai pas oublié Casper. De toute façon, Casper, c'est du long terme. Vous avez vu en ce moment, il se passe pas grand-chose en plus.
partout sur le crypto world. Hein. On fera un de ces cas par la prochaine fois. Mais voilà, il y a des choses qu'on doit penser là, au lieu de penser qu'à la carotte, je trouve. Justement. Casper sur un an, ben là je viens de faire un petit DCA, donc mon dernier DCA sur Casper pour l'instant. Bien sûr, on sait pas si dans 2 mois on est encore plus bas, j'en ferai un petit autre, mais j'ai envie de me concentrer sur d'autres projets. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Donc Casper, ne vous inquiétez pas, j'oublie pas, on fait un dossier bientôt. ILV aussi, surtout là, je suis en train de vraiment augmenter mon bag. Donc franchement, quand on regarde la courbe, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais c'est normal, il n'y a rien eu. ILV, c'est quand même un des jeux les plus hypés. Je pense que le truc, il peut faire une performance de dingue. Le pay to win, il ne faut pas l'oublier. Donc, Illuvium, c'est mon deuxième plus gros investissement du moment. Chainlink. Franchement, Chainlink, je ne sais pas quoi vous dire. Ce n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous dis juste, je vous apporte juste les informations. Est-ce que moi, je pense, c'est un avis personnel. Mais Chainlink, je ne sais pas quoi vous dire, en fait. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Voilà, prenez vos propres décisions. Et enfin, Ultra aussi, très beau. Et Ultra, ils sont en train de vraiment bombarder en ce moment. Et avec ce qui se passe avec Gala, je trouve que c'est pas très cool. J'avais dit que je commençais un DCA sur des plateformes. Mais voilà, j'ai fait mon choix. Ça va être Ultra. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais pas me pencher plus que ça sur la tokenomics. Hein. On a à peu près pas beaucoup hein, quand même. On a 40 millions de capitalisation, 1 milliard d'offres totales. Mais en même temps, on va y avoir des rewards, etc. Donc on va faire un petit dossier, je pense, sur Ultra. On va aller creuser la tokenomics, un peu l'équipe, tout ça. Mais en tout cas, je vais quand même commencer un DCA, un DCA de la foi. C'est un pari. C'est voilà, faut pas oublier, je suis un gambler. Hein, je vous dis, gérez votre risque et tout. Mais on est en train de gambler quand même. Hein. On n'en sait rien s'il faut demain, la crypto, ça disparaît. Donc moi, je vais mettre un petit billet dessus. Et voilà, je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, j'ai fait une vidéo assez longue pour aujourd'hui, ça suffira. On se retrouve la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao!